Ça dépend de son humeur, ça dépend de ses retweets. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous rend unis sur Twitch, hein? Oh merde! Oh merde, il attaque tous les streamers en plein live! Allez, on passe à autre chose maintenant que j'ai absolument démoli là. Hein, vous voyez? Il est rien sans ses potes. Lui, c'est une merde, et il est rien sans ses potes. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Eh, c'est négatif ou c'est positif? Attends. Attends, j'ai peur de regarder ça. Qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui, encore? Aujourd'hui, vous parlez d'un certain streamer que vous connaissez tous. Il s'agit de Locklear. Qui est Locklear? Locklear, tout d'abord, c'est un streamer qui a actuellement 1 million d'abonnés sur sa chaîne Twitch, 1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs rejoindre ses chaînes si ce n'est pas déjà fait, ainsi que la chaîne secondaire, activer les cloches, follow sur Twitter, Instagram et TikTok. Tout d'abord, Locklear s'est fait connaître au The Event 2018. Non. Il a pu se faire connaître, on va dire, grâce à sa flûte. Car avec sa flûte, c'était le streamer le plus chiant du The Event. C'est vrai. Il faisait tellement chier les autres qu'ils n'arrivaient pas à stream normalement. C'est vrai, c'est vrai. Putain, attends, c'est Locklear. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Gotaga, pardon? T'es chiant! De toute façon, mec, si c'était pour rompicher sur leur stream, bon, c'était pas un petit coup de flûte qui aurait changé quelque chose. Oh merde! Oh merde, il attaque tous les streamers en plein live! Que deux streamers ont essayé de virer Locklear. On vous passe un extrait. Ouais, ces deux streamers, au cas où, juste pour préciser, ces deux streamers sont des super potes à moi, ok? Juste comme ça. Enfin, Luty, je sais pas. Ça dépend de son humeur, ça dépend de ses retweets. Il y aurait un Dark Luty qui parlerait pas. Ah, ouais, juste il parle pas, mec. Non, il parle pas. Juste il parle, le Dark Luty. Et genre, il y aurait Locklear qui ferait du contenu correct. Il a tête. Alors, oui, j'ai fait du contenu plus ou moins correct, ok. Mais les gars, là en ce moment, j'ai fait plein de let's play, j'ai fait plein de trucs. C'était vraiment bien. Après, bon, Luty et Locklear, ils se connaissent depuis longtemps, tranquille, mais la dingue, quand même. En fait, il m'a vraiment cravaché la gueule à la fin du oui, épisode. Oui, c'est vrai. Plusieurs reprises. Oui, alors, c'est totalement vrai. Il a dit mot pour mot, Luty et moi on s'entend super bien dans la vie, on s'aime, c'est pour ça que je dis ça. Et après il a dit, même si en ce moment il m'aime moins parce que je lui rapporte pas de vue. Enfin bref. Et malgré tout ce que vous pouvez imaginer les gars, entre streamers etc. C'est un mec qui était là au début avec moi aussi, tu sais. C'est un mec très très bien. C'est l'époque où on était tous à fond sur un truc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous rend unis sur Twitch, hein? GTA RP. On est tellement à bout de contenu qu'on est obligé de faire des fake clash avec Luty. T'imagines? Hé hey, Luty, quand est-ce que tu refais une pub de céréales? Oh Bolos oh. Et il faut que tu me renvoies bien la balle cette fois, hein. On rebondit bien là. On peut dire que ces actions... Première classe et... Première classe, baby. Hey, t'es en première classe, toi? Non, t'es pas en première classe. Responsable a fait de lui streamer connu, l'un des plus connus de la France. Et le plus important, c'est son caractère. C'est uniquement grâce à son caractère qu'il a pu se faire connaître. Oh aussi, bah merci. Un peu grâce à son niveau, mais... C'est pas une calvitie que vous voyez, c'est pas moi ça, c'est pas moi. C'est pas une calvitie que vous voyez, c'est pas moi. Et ouais, mon niveau, qu'est-ce qu'il a mon niveau? Mec, mon niveau il est top tiers, frérot. J'ai le niveau top tiers, mais en tout cas c'est très gentil de dire que c'est mon caractère, c'est des compliments pour le moment. Mais il y a des meilleurs streamers que lui hein, pour ça. Je vous donne un exemple, Gotaga, je pense qu'il est meilleur que lui, hein. Sur Warzone par exemple. Regardez, Gotaga il est meilleur que lui, Gotaga il est meilleur que lui sur Warzone par exemple. Oui, Gotaga est meilleur que moi et j'espère pour lui, t'imagines? Imagine frérot, t'as dédié toute ta vie à Call of Duty et t'as un random comme moi qui arrive et qui est meilleur que toi, t'imagines? Bon, faut rétablir les pièces sur l'échiquier, mon frérot. Grâce à un autre streamer. Que sans ce streamer, Locklear n'aurait jamais pu arriver jusqu'à maintenant. Ta vie de AlphaCast. Oh, comment il était jeune! Il a pris un coup de vieux, le pauvre garçon. Oh, il a pris un coup de vieux, AlphaCast. Ah non, c'est la barbe. C'est comme moi, les gars, c'est la barbe. Attends, mais qu'est-ce qu'il dit là? Mais pu arriver jusqu'à maintenant, ta vie de AlphaCast. C'est grâce à AlphaCast que Locklear a pu en arriver là. Sans lui, rien de tout cela n'était possible. Putain, ça fait beaucoup. Sans le The Event, sans AlphaCast, tout ça n'aurait jamais été possible. Putain, il a un peu raison. Il a un peu raison, mesdames et messieurs. Il a un peu raison. Un streamer les plus importants, je parle bien évidemment de Squeezie. C'est de là que c'est souvent proche, c'est grâce à Squeezie que Locklear a pu énormément buzzer. Bon, enfin, bref, au final, Locklear a réussi à buzzer uniquement grâce à ses amis. Mais bon, c'est pas trop le sujet. Mais... Bon, passons à autre chose les gars, maintenant que j'ai démoli. Allez, on passe à autre chose maintenant que j'ai absolument démoli là. Hein, vous voyez? Il est rien sans ses potes. Lui, c'est une merde
Et il est rien sans, sans ses potes. Au vrai sujet de la vidéo, je vais vous parler de la vérité sur ce youtubeur. Oh non. D'abord, comme je l'ai dit, oh non, dites-vous qu'en vérité, Locklear n'était pas comme ça à la base. Lorsque Locklear a commencé, non, mais il était totalement différent. Il avait un caractère totalement opposé. C'est vrai. J'étais un petit con. Il était un peu timide, il était normal, il était un peu près banal. À peu près comme... Non, à cette époque-là, non. Ce qu'il sait pas, c'est qu'avant cette époque-là, j'étais un gros chien. Vraiment, ce qu'ils n'avaient pas. Alors pas à cette époque-là, mais à l'époque encore avant. Donc c'est-à-dire 2011-2012, j'étais un petit gamin, les gars. Je voulais être joueur e-sport, j'insultais tout le monde, ok. Que ce soit net, clair et concis, j'étais un petit bâtard, ok. Les ligues des CS... C'est ligue des CS. Impossible qu'il ligue les CS. Regarde, il a rien. Il a rien, mec. Parce qu'en vrai, il pourrait avoir des trucs. Mais il a rien, frérot. Il a rien. Les autres streamers. Et pendant environ 6 ou 7 mois, il faisait du 70 à 100 viewers. À ce moment-là, Locklear avait déjà prévu un plan tête. Ce plan, tout d'abord, c'était de se changer de lui-même. Pour être plus précis, d'avoir une nouvelle personnalité et un nouveau caractère. C'est vrai. Un nouveau caractère qui est, disons, on va dire, perturbateur. A pu rendre ce youtubeur extrêmement connu. Car, comme je l'avais dit précédemment, si Locklear s'est fait connaître, c'est grâce à son caractère. Au final, Locklear avait tout prévu de A à Z. Il a raison. Tout d'abord, son début de son ascension aux The Event, tout était calculé. Il a fait exprès d'être chiant. C'est pour ça qu'il a pris sa fuite. Il s'est dit que c'était le meilleur moyen d'être ça, c'est pas vrai, perturbateur pour qu'il se fasse remarquer par les autres viewers. Alors, pour le coup, il a raison sur le fait que oui, j'ai changé ma personnalité. J'ai pas changé ma personnalité, j'ai boosté ma personnalité. C'est en gros, je me suis dit, les gars, on est sur Twitch. Est-ce que j'ai envie de voir juste un mec lambda, tu vois, un mec normal, tu vois? Non. Et de toute façon, quand je me regarde dans la glace ou quand tous mes potes qui me connaissent savent très bien que je suis pas un mec normal. Ils savent tous que je suis un dégénéré, ok. Et du coup, je me suis dit, bon, je me suis lâché de plus en plus sur mon stream. Et après, c'est vrai. Je me suis beaucoup trop lâché, je suis allé trop loin. Mais là effectivement, où beaucoup de gens pensaient que j'avais fait ça à l'époque avec la flûte de manière exprès pour me faire remarquer, pour que les autres streams m'entendent, cette flûte, je sais même pas pourquoi je l'ai mis dans mon sac. Je ne sais même plus pourquoi je l'ai mis dans mon sac. Je sais même pas si j'avais fait de la flûte avant le The Event. Il me semble que non, c'était la première fois que j'avais sorti la flûte. Je ne savais même pas pourquoi j'avais pris cette flûte. Si j'avais prévu dans ma tête, et laissez-moi vous le dire, si j'avais prévu dans ma tête que j'allais jouer de la flûte et que ça allait s'entendre sur tous les autres streams, je l'aurais probablement jamais fait. J'aurais jamais fait, les gars. Parce qu'en gros, je suis en mode... Aujourd'hui, par exemple, je suis tellement plus sage qu'avant. Parce qu'avant, je m'en battais les couilles. Vraiment, à cette époque-là, je m'en battais les couilles. Je faisais n'importe quoi, tu vois. Tu faisais déjà de la flûte sur tes streams. T'es sûr? Vous êtes sûr de ça? Tu avais sorti la flûte sur Overwatch. Ah! Mais oui, c'était pour ça alors! C'est pour jouer de la flûte quand j'ai joué avec Overwatch. Quand j'ai joué sur Overwatch avec les autres. Pour qu'ils m'entendent en vocal. Such a wonderful. Et sauf qu'à force de rien savoir jouer, bah au The Event, j'ai décidé de savoir jouer un truc. Ok, j'ai fait des tutos avec les sub goals. Donc en gros, ce qu'il a pas précisé, forcément, c'était plus pour les dons. En gros, j'apprenais à jouer tel morceau à tel niveau de don. Et du coup, sans cette flûte, je serais pas arrivé à 10 000 euros de don, tu vois. Et à cette époque-là, il y avait pas les raids, il y avait rien. Et chacun faisait son truc dans son coin, mais c'était très bien comme ça aussi, tu vois. Alors dire que j'ai fait ça calculer. C'est faux, totalement. Continuez la vidéo. C'est le meilleur moyen d'être, disons, perturbateur pour qu'il se fasse remarquer par les autres viewers. Si Squeezie, par exemple, il était au The Event, il entend une flûte, un élément perturbateur, on va dire, que c'était Locklear. Certains viewers se diront, c'est qui ce perturbateur? Et ils iront voir la personne qui est Locklear sur son live. Et tout ça lui rapportera au final des viewers et des abonnés. Au final, ça va lui apporter de la visibilité. Et Locklear l'a très bien compris. Et c'est aussi en partie grâce à cette technique que Locklear a pu être connu. Technique spectrale. Au final, si Locklear en est arrivé là, c'est parce que c'est un génie. C'est un expert dans l'art de gagner des followers. Maintenant, lorsqu'il est en live avec Squeezie, il profite des petits moments pour faire sa pub. Touche-moi des messages, Locklear. Sur son Instagram, sur son Twitter, sur son TikTok, etc. Bref, au final... Et les trois quarts du temps, quand je fais ma pub, c'est que je cale la chaîne de AlphaCast. Je fais même pas ma pub pour moi sur le stream de Squeezie. Je crois que je l'ai jamais fait. Je crois que je n'ai jamais dit twitch.tv/Locklear, à part hier. Mais je crois que je ne l'ai jamais fait, genre sérieusement. Je crois que j'ai toujours donné la chaîne d'Alpha. Non, j'ai toujours donné la chaîne d'Alpha, les gars. Vraiment. Je suis en live sur Twitch, hein. N'hésitez pas à me rejoindre aussi, mesdames. Salut tout le monde, hein. j'ai un Instagram aussi. En fait, à chaque moment de pub, j'ai toujours donné la chaîne d'Alpha. Si, j'ai déjà. Ok, pardon. On peut dire. Enfin, j'ai déjà fait. D'une certaine façon, il fait sa pub en live. C'est encore en plus live. Qu'est-ce que moi. En plein live. Locklear, tu es
exceptionnel, hein. Merci mon bébé. Sincèrement, je peux même dire que c'est grâce à toi que j'ai pu gagner mes 20 000 abonnés, car je me suis servi de tes propres techniques pour gagner de mes abonnés. C'est grâce à toi, le client, que j'en suis arrivé là. Si je devais te dire un truc, ce serait que je te remercie. Au final, ceci conclut ma vidéo, et si vous l'avez aimé, mettez bien évidemment des gros pouces bleus, et je vous dis à la prochaine. Stonks, c'est Stonks ça. Pourquoi il y a autant de dislikes? Pris à son propre jeu, en plein live.